Ik ben zanger in de kerk van de Zuil van de Waarheid hier in Antwerpen. We zijn vandaag hier allemaal bijeengekomen. Het is om ons Heer te danken voor het verleden van het jaar 2014, voor alles dat Hij voor ons gedaan heeft. En dat wij allemaal in goede gezondheid en in veiligheid allemaal in 2015 zijn binnengekomen. En wij danken onze God voor alles wat Hij gedaan heeft en wat Hij gaat in de toekomst nog doen in ons leven, in onze kerk, binnen het gemeenschap van de christelijke kerk. Bent u zelf van Antwerpen of kom je van ergens? Ja, ik ben zelf van Antwerpen. Na uti na lost na ye pa ya petit sa na ngai mama José. Yango to sangani ya wapona ko sepela ane ya sika o nzamba bateli biso ndenga bateli biso ane mobimba ki na komisi biso na ane mosusu yango to ye ko kumisa nzambe ko pesa ye merci po to zane loko ko pesa ye te. Paiement ya pesi biso bateli biso ya on peut te rejoindre ça merci et pas nzambe. Avec négligence, parce qu'il y aura des conséquences. Mais cette année, il y a une autre chose que Dieu nous dit. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il nous donne un message que nous allons marcher avec cette année. L'Éternel, Dieu nous donne comme message cette année. Dieu sait ce qu'il fait. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai dit ceci, je suis désolé. Mais tout ceci, vous êtes en train de faire la publicité des faux prophètes. C'est ce que la Bible nous dit dans les textes de Luc. Les faux prophètes, on a parlé d'eux aussi longuement.
Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi cette année Dieu dit, il sait ce qu'il est en train de faire. Si toi tu ne veux pas comprendre que Dieu sait ce qu'il est en train de faire, tu vas chercher ce que tu es en train d'écouter. On a parlé de telle personne, il est grand. Alors comme moi, je ne vois pas ceci clair, je vais chercher tel prophète. Pourquoi? Parce qu'on a parlé. La Bible nous dit bien dans les textes de Luc 6, 26, c'est-à-dire que si tu cherches de te faire connaître, sache bien les faux prophètes. On a parlé d'eux aussi. Les gens aussi les connaissaient, mais ils étaient des faux. Amen, amen. Donc ce n'est pas le fait qu'on crie, qu'on parle de toi que tu es vrai. Amen, amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ton problème cette année, bien-aimé, c'est de t'attacher à Dieu et à la parole de Dieu. Parce que ce qui t'arrive, tu ne trouveras pas la solution chez un homme. Tu ne trouveras pas la solution chez ton pasteur, ni chez le prophète, mais tu trouveras la solution auprès de Dieu. Nous voulons tous être connus. Personne n'aime pas être ignoré. Oui, vous voulez vous faire connaître, mais sachez bien que il y a toujours un prix à payer. Laissez le Seigneur vous élever, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la douleur viendra, quand les situations seront difficiles, tourne-toi vers le Seigneur, parce que lui, il sait pourquoi il a permis ces choses. Mais il est important, quand je prends le verset de Luc 6, quand je prends le verset de Luc 6, je vais vous demander tout au long de cette année de bien comprendre le verset 6 de Luc. La Bible me dit ceci, mais je vous dis, vous qui m'écoutez, le verset 27, vous qui m'écoutez, première chose, il dit quoi? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous... Bénissez ceux qui vous, priez pour ceux qui vous, bien-aimés, qui est à mesure de faire ces choses? Qui au milieu de nous peut faire ça? C'est difficile, mais Dieu, il dit, je sais ce que, donc, toi et moi, cette année, nous sommes obligés. Amen, amen. Vous qui m'écoutez, bien-aimé, tu vas dire que non, je n'avais pas écouté. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui tu t'es retrouvé ici. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc 6, allez lire ça calmement, tranquillement chez vous à la maison. Et Matthieu chapitre 5 à partir du verset 10, vous allez comprendre tout ce que Dieu nous demande, la manière de vivre cette année. Dieu a des bons projets, bien-aimé. C'est-à-dire que tous ceux qui nous feront du mal, ce sont des obstacles qui cherchent à nous mettre à côté de la volonté de Dieu et de la bénédiction que Dieu nous donne. Donc, pour que nous puissions les avoir, nous devons rester tranquilles et conformes à la parole de Dieu. Ne rendez pas le mal par, mais rendez le mal par, c'est ce que l'Éternel nous demande cette année. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ton âme était béni, car je sais que tu es là. Bien, lève tes deux mains maintenant, demande la force au Saint-Esprit de Dieu, car toi seul tu n'arriveras pas à accepter que quelqu'un te fasse du mal et que tu ne le mettes pas. Tu n'arriveras pas à pardonner quelqu'un toi seul. Tu n'arriveras pas à faire du bien tout seul. Mais tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Oui, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu n'arriveras pas à pardonner avec un cœur de l'homme. Tu n'arriveras pas à accepter avec le cœur de l'homme. Mais avec la force du Seigneur, la force du Saint-Esprit, bien-aimé, tu arriveras car Dieu sait qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il fait, c'est Dieu. Oh,
gloire à toi, Seigneur. We zijn hier vandaag omdat we vieren ons nieuwjaar in onze kerk. We zijn heel blij om hier te zijn, omdat wij leren meer en dat helpt ons voor naar voren te gaan. En God is heel belangrijk voor ons, daarom zijn we hier vandaag. Oké, ben je zelf van Antwerpen of ben je van ergens gekomen? Nee,
ik kom eigenlijk van Oost-Vlaanderen. Ik ben van Dendermonde. Dendermonde? Ja. Van Dendermonde tot naar Antwerpen? Ja, ik kom. Is dat niet te ver? Ja, dat is eigenlijk te ver, maar wij doen dat voor ons God. Papa, Ndeko, Mobali, Mbote Mingi. Mbote, papa. Bonne année, et pas inayo, Nego Telemi. Merci, Yopé Lokola. Merci. Bisoto Zali, Basali à télévision TV Congo in Vlaandre, à Wanakati à Anvers. Alors, toi, pas nabino na Ndakwanzambe, Oto, Kotabino, Essengo, Awa, Pebo fete, bonne année, Awa. Yo, moni, bonne année, Pesabiso, Kombo, Nayo, Pebo, Pesabiso, Maye, Omoni, Awa, Nakati, Glisho. Malo, bye, Panayo. Merci papa. Pona maloba oyo pesinga na poko na lelo. Nga kumuna nga timba. Na fandi na brasrat. Alors na sangana awa na colon de la vérité. Alors pona poko na lelo ezali lokumu pa nzambe pona ndenga longol biso na ane ya kala. Akoti biso na ane ya sika. Yangwana to sangani awa pona opesa lokumu epai na nzambe pona mokolo ali boso ya ane ya sika. 2015. Papa, baninga bakio mela ba masanga, bazoko bina kuna ambiance yo ye awa. Vraiment, différence ni nos ali yo na bango. En tout cas, pona kotala boye différence moko ezali te parce que ndenge bango bazali na nzoto, ndenga pena zali, nga pena zape elenge neti bango ou bien mukolo neti bango, mais ezali ke non passion o nga na zana yango par rapport ya na nzambe. Yangwana etindi ke non ngai na ya awa pona oleksa butu oyo elongo na Yesu pona yebi Yesu wana yene mutu asimbi bo moyi na ngai. En tout cas papa opesi biso esengo mingi parce que batebele bande kono ebele lelo ambiance a danger mais yo ye awa pona ko kumisa nkolo pona ndenge ya komisio tina mbula oya sika esengo mingi peto tondi botondi tina kutola mikolo mikoya. Merci papa. Merci papa. En tout cas télévision bino nzambe a pambola yango et kende liboso nzambe lisu ya nzambe eza likolo na bino pe 4 na misala na bino na ane oya sika ete nzambe a pesa bino susu makoki pona et kende liboso na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci papa. Merci merci. Tozali awa pona ko fêter réveillon normalement nzambe abateli biso a komisi biso na ane ya sika yangwana tozali a to fêter année 2014 et 2015. Merci maman parce que c'est moni qui a ambiance c'est qui m'a cassé awa. Bon yo moni boni c'est au conseiller bande comme sous baya awa na église na binoyo. Ou bien quoi ça bamba vanda na bandao. Na conseiller bande ko baya na église na biso parce que tozali église colonne de vérité. Ezali esika oyo tozo te ali lo bananzambe tozo témoigner so lokola nkolo pe mobiki na biso. Na conseiller bandeko baya to sangana po to kumbisa kombo na nzambe. Merci maman, to tondi botondi et pe mbule asika na kata libota na yo. Merci. Bon, vous êtes lost oyemba la moko na église ya docteur Leon. Est-ce que oyeba ki église avant? Na yeba ki avant parce que lek na nga sambe la ka na ka souvent awa. Merci maman, to tondi botondi pe to ebisi yo malasima. Tokuta na yo pona télévision congolaise ou na kanta Flandre. Merci maman. Merci Nabinope. In de kerk van de Zuil van de Waarheid ben ik al hier. Het is bijna 9 jaar. 9 jaar aan? Ja. En ik ken al God sinds mijn, laten wij zeggen, mijn 16 jaar. Ja, ik heb. Wat ik altijd doe, dat is als ik iemand leer kennen, het is altijd met de persoon over God te spreken. En hetgeen dat ik zal die persoon vertellen, het is hetgeen die hem gaat de moed geven om naar God te geven. Dus ik heb bepaalde mensen ook in God gebracht. En tot hiertoe zijn ze nog altijd met ons. En tot hiertoe zijn ze nog altijd God aan te bedienen. En voor onze kerk, omdat wij zijn gelovig en dat is heel belangrijk voor ons. Daarom komen wij tot naar hier. Anders als wij dat niet. Als wij niet gelovig was, wij kunnen ook niet tot naar hier komen. Dus wij zijn echt heel gelovig en wij zijn heel blij omdat wij zijn in deze kerk gekomen. Omdat wij hebben meer geleerd en wij zijn heel blij van ons pastoor. En die doet heel veel voor ons en die helpt ons veel en wij leren ook meer. Daarom
We komen altijd naar de kerk voor meer te leren en ons geloven naar God. Dus God die helpt ons veel. Dus. Ja, maar er zijn mensen van uw leeftijd die nu in de café, in de discotheek zijn. Waarom jij, alleen jij en een paar mensen naar de kerk gekomen? Ja, eerlijk. In deze moment, dat is eerlijk moeilijk voor jonge mensen als wij. Veel die horen ja, van alles bij vriendinnen, overal, op school, op werk. Maar ik ben eerlijk, ik kom van de familie dat gelovig zijn. En daarom, ik ben ook zo gegroeid, daarom ben ik ook in de kerk gelovig gekomen. Anders als dat was niet zo, ik ging ook zelf zijn als de andere meisje. Maar eerlijk, naar de café te gaan of gaan, ik weet niet, van alles te doen, dat brengt niks. Ja. Maar als je echt gelovig bent, je kan je goed voelen. Maar als je niet gelovig bent, je kan je niet zo... Zo, dat betekent ja, jij voelt zo goed in de kerk dan in de café. Ja, ik voel mij heel, heel, heel goed in de kerk dan in de café. Omdat eerlijk, ik ben niet iemand dat altijd... Vroeger misschien, ik heb geprobeerd, maar dat lukt ook niet. Maar nu, ik voel mij heel beter hier, omdat ik ben gelovig. Ik ben nog jong, maar ja, wees ik altijd, als je jong bent, je moet profiteren. Maar die profiteren, dat brengt niks. Dat brengt alleen problemen. Daarom komen wij, ik wil graag altijd in de kerk komen, omdat ik voel mij beter. Ik kan mijn probleem oplossen in de kerk, niet in de café. Daarom ben ik... Gloire à Jésus. Merci Seigneur.